أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وأصلي وأسلم على سيدنا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين وعلى آل كل وسائر التابعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا ترضى به عنا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد شيخ فخر شيخ سوي السلام عليكم ورحمه الله J'aimerais commencer mon intervention par la récitation de quelques versets de Sourate Hud. L'occurrence des versets qui commencent par le 103 jusqu'au 108. Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, « Inna fi dhalika la ayatan liman khafa azab al-akhirah, dhalika yawmun majmou'un lahun nas, wa dhalika yawmun mashhoud » وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك Dans ces versets de Sourate Hud, et d'ailleurs c'est les seuls versets où la racine de Sa'ida ou Sa'ada qui renvoie au bonheur, ce qu'on traduit par en français par le bonheur, sont évoqués. Et c'est le seul endroit, mais en deux endroits, c'est-à-dire deux versets, l'un où il est question de Saïd, c'est-à-dire l'agent, celui qui vit le bonheur, et dans un autre verset, c'est celui qui a reçu, qui a bénéficié du bonheur. Et dans celui-ci, il est question du pluriel, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas évoqués de façon individuelle, mais collective. Et les versets de Sourate Hud sont révélés à la période mécoise. C'est très important de comprendre cette révélation et qu'elle est mécoise, car c'est dans cette période où les grands principes de l'islam vont être enseignés à l'humanité. Et parmi ces grands principes que l'islam apporte à l'humanité, c'est la définition du bonheur. S'il y a une question de consensus par tous les humains, à être recherché, vouloir vivre et revivre, c'est la question du bonheur.
qui parmi les humains ne cherche pas le bonheur? Tous les philosophes d'avant comme d'aujourd'hui nous parlent que le bonheur est un but ultime pour l'être humain. Après, dans ces déclinaisons, chacun définit le bonheur selon sa sauce. Hein? Mais le grand thème du bonheur est quelque chose d'universel. Donc de tout temps, l'homme a cherché ce bonheur. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment, dans cette période mécoise, par ces versets, les seuls versets, le Coran présente le bonheur et ceux qui vont être les bienheureux. Alors, dans ces versets, il nous parle tout d'abord que le jour qui est prédéfini, le jour du grand rassemblement, le jour de l'attribution de la récompense ou de la du châtiment, ce jour-là, il est fixé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa date est déjà prescrite. Et que en ce jour-là, nul ne peut intervenir pour autrui, nul ne peut intercéder pour autrui, nul ne peut prendre la parole de lui-même sans l'autorisation divine. Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'izni. Nul ne peut donc avoir une exception si ce n'est une exception donnée par le maître Allah subhanahu wa ta'ala. Alors après cela, il nous parle de la répartition dans ce jour-là, qu'il y a deux voies pour l'humanité. Une vers le malheur et une autre vers le bonheur. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيٌّ. Mais il n'utilise pas le nom d'action. Il utilise un schème, une formulation qui, ce qu'on appelle en langue arabe, صِفَ الْمُشَبَّهَ بِسْمِ الْفَاعِلِ, c'est-à-dire un schème qui renvoie à une qualité stable, figé même dans l'acteur et cet individu, cette personne. C'est-à-dire, la personne fait partie de Saïd ou de Shaqi, et que cela n'est pas une affaire temporaire, mais une affaire de continuité, une affaire de constance, c'est le terme que je cherchais. Et donc la personne qui est Saïd, elle est Saïd de tout temps, et celui qui est Shaqi, le contraire de Saïd. Et je fais exprès de ne pas donner on va dire une traduction, parce que j'introduis la divergence dans la définition de ce qui est Saïd et ce qui est Shaqi. Parce que même chez les philosophes musulmans, les exégètes des versets coraniques, il y a certaines divergences et subtilités dans leur définition. Alors, après avoir classé l'humanité dans ces deux catégories,
il nous explique le Coran en respectant l'ordre de citation. Il a commencé par citer Shaqi, puis Saïd. Et la même chose quand il va expliquer le sort de chacun. Il va commencer par فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا. Il est très important ici de souligner que dans la formulation, il est question d'un verbe dont l'agent, l'acteur est connu, est évident. Hein? Lorsqu'il dit chapeau, c'est-à-dire c'est eux, ces humains-là, qui ont choisi d'être chéri. Et ils ont fait ce qui a fait d'eux des chéris. C'est une seule lecture dans toutes les variantes de lecture coranique rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui n'est pas le cas pour la seconde catégorie. La seconde catégorie, il a été transmis dans les lectures, deux lectures. L'une qui va dans le même sens que celle-ci, c'est-à-dire Sa'adou ou Sa'idou, Amma alladhina Sa'idou, donc Amma alladhina Sa'idou, c'est-à-dire ceux qui ont fait ce qui a fait d'eux des Sa'id. Et dans une autre lecture qui est que vous trouvez dans les mushafs que vous avez sous la main, Hafsi et autres, وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا. سُعِدُوا, l'agent du verbe est inconnu. C'est-à-dire, cela veut dire qu'ils ont subi, ils ont reçu, ils ont bénéficié de ce statut, d'être Saïd. Donc ce n'est pas vraiment un résultat direct d'eux-mêmes, mais il y a une sélection, un fait par cet inconnu. Et l'inconnu ici, comme il est dit chez les exégètes du Coran, c'est Dieu qui n'est pas cité, mais les textes renvoient à cette sélection qui est faite par Allah subhanahu wa ta'ala sur des critères qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait de ses humains. C'est-à-dire, ils ont un mérite, mais Allah subhanahu wa ta'ala a intervenu pour leur offrir ce statut de Sa'id. Et les deux se verront attribuer ou bien l'enfer ou le paradis selon les actions qu'ils ont menées dans la première vie. Il utilise les mêmes expressions pour la première catégorie. Il dit Khalidina fiha madamati samawati wal ardu illa ma sha'a rabb. Et aussi pour les gens du paradis, il dit Khalidina fiha madamati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk. Seulement dans la terminaison du verset, il fait une distinction, Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant la première catégorie, c'est-à-dire Shaqi, le malheureux, pour traduire brièvement le terme, hein, il dit Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Certes, Allah subhanahu, ton Seigneur fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Faire ce qu'il veut, Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les temps, c'est-à-dire et dans toutes les circonstances. C'est pour cela qu'il utilise le mot fa'al. Fa'al, ce n'est pas le fa'il. Fa'il, ça veut dire il fait quelque chose. Mais fa'al,
il l'a fait de façon intense, continue. Donc il y a un plus dans le sens qui est rendu par la formulation fa'alu. Et c'est comme si il nous répond à une question possible, hein, de dire oui, mais cette punition est lourde et dure, hein. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit que nul n'a le droit de remettre en question les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, il nous rappelle le rapport entre l'homme et le Créateur, subhanahu wa ta'ala, et le Seigneur, Rabbuk. Donc, cette question de Saïd et de Shaqi est liée à un rapport à Dieu. Et c'est très important de comprendre ce rapport et que l'homme, dans son existence, est soumis à Dieu ou bien par choix ou par contrainte. Il ne peut sortir de la volonté de Dieu. C'est lui qui maîtrise tout, subhanahu wa ta'ala. Et donc, les objections que vous pouvez émettre, les interrogations que vous voulez faire à l'encontre de Dieu, ne vous servira à rien car Dieu fait ce qu'il veut. C'est, et là, on va comprendre. Après, dans la définition de Saïd, du bonheur, ce principe important dans le rapport avec le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il s'agit de Saïd, il est dit à la fin, à la terminaison, il est dit « Ata'an ghayra majdouf » C'est un don. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a offert ce bonheur de façon ininterrompue, de façon que nul ne peut empêcher de se réaliser. Majdoud, Ghayra Majdoud veut dire il n'est pas interrompu et il n'est pas interdit en même temps. Et cela aussi définit le rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala agit par sa générosité. Il y a donc une volonté divine et il y a une générosité divine. Et le rapport de celui qui est malheureux doit se comprendre par ce grand principe qui est la volonté divine. Et le rapport de celui qui est heureux doit être compris par ce grand principe qui est la générosité divine. Dans ces versets, on remarque que Allah subhanahu wa ta'ala résume l'avenir de chacun dans ces deux catégories. Et que la notion du bonheur est définie par ce devenir auprès de Dieu. Elle n'est pas définie, donc c'est le seul endroit, et je vais dire une réflexion sur ce que je pense, le pourquoi que ce grand principe n'est évoqué qu'une seule fois dans tout le Coran. Ces termes, hein, qui qualifient et qui sont
la finalité de l'existence humaine ne sont évoquées que dans cet endroit du corps. Alors, deux catégories, c'est cette question du bonheur. Elle ne peut être comprise que par rapport au malheur. C'est-à-dire, si on ne connaît pas le malheur, on ne peut comprendre et connaître vraiment le bonheur. Et je parle bien de connaître et non pas de vivre. Parce que là, cette information donnée par le Coran, c'est une information pour éclairer les consciences et tracer d'une certaine façon cette voie vers ce bonheur ou bien vers le malheur. Le Coran utilise dire comme ça 12 déclinaisons du sens du bonheur, c'est-à-dire des termes qui renvoient à ce bonheur, et que à chaque fois il s'agit d'une facette de ce qui est le bonheur. Alors on peut trouver par exemple le terme falanuhiyannahu hayatan tayyiba, al-hayat at-tayyiba, la vie bonne et saine. On peut trouver le terme ladha, hein, c'est-à-dire la jouissance. On peut trouver le terme bushra, la bonne nouvelle. On peut trouver le terme sakina, la quiétude. On peut trouver tomanina, l'apaisement. On peut trouver rida, la satisfaction. On peut trouver l'inshirah, c'est-à-dire cette ouverture du cœur. On peut trouver le terme khawf mina, l'amnu min al-khawf, hein, c'est-à-dire l'assurance et cette sécurité. Tous ces termes que le Coran évoque sont liés à cette grande question qui est le bonheur. Et le Coran, dans sa fonction on va dire principale, il est révélé pour produire le bonheur. C'est-à-dire, parmi les objectifs de la révélation du Coran, c'est de produire ce bonheur. Ce bonheur comme il le définit lui-même, et non pas comme chacun veut le définir. Et c'est pour cela que lorsqu'on revient, par exemple, aux philosophes, on trouve plusieurs définitions de ce qui est le bonheur. Chacun, il le définit à sa manière, selon ses, je dirais même, ses besoins. Mais le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, qui sait ce qui convient le plus à la créature, qui est nous. Et dans cette approche, il nous donne la définition qui convient le mieux à notre existence. Et on peut dire que dans cette définition, le bonheur s'exprime dans l'au-delà. Il ne s'exprime pas vraiment dans cette vie première. Cette vie première, elle se réduit elle réduit la définition du bonheur à la satisfaction. Et cette satisfaction, elle a des éléments indicateurs.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il dit dans un hadith, porté par Tirmidhi, il dit min sa'adati al-mar, parmi ce qui fait le bonheur de la personne, et il évoque trois éléments, trois indicateurs. Le bon conjoint, hein, et le bon voisin, et dans une version, la monture confortable. Le markabul hani. Et dans une autre, il dit la demeure vaste, le bayt al-wasi', ou le maskan al-wasi'. C'est-à-dire, le maskan, c'est là où il trouve sa paix, la personne trouve sa paix, son repos. Le contraire, bien sûr, prive la personne de ses modes de bonheur. Mais si ces éléments sont des indicateurs de ce bonheur, le vrai bonheur, il est défini comme on l'a vu par ce verset du Coran, dans l'au-delà. C'est-à-dire le fait qu'on n'a pas eu ces éléments ne prive pas la personne du bonheur, mais prive la personne de certaines formes de bonheur. Mais le bonheur, puisque sa définition elle n'est pas dans ce monde, il n'est pas perdu. C'est très important de comprendre cette définition. Pourquoi ? Parce que les éléments évoqués par le hadith, par exemple, se situent dans le thème de rizq, c'est-à-dire ce que Dieu a donné à telle personne. Et que la question de rizq, elle est une question prédéfinie, et que chacun doit avoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a attribué, mais rizq, il s'arrêtera avec ton départ dans l'au-delà. C'est-à-dire tout ce que tu as possédé, monture confortable, cette maison agréable, vaste, ce palais, ce château, tout ce que tu peux, le mari, l'épouse, les enfants, tout ça, on va les laisser derrière nous, chacun, il va les laisser, et il va rencontrer le vrai bonheur. Et cette vision est importante dans la construction psychologique du croyant. C'est le contrôle des choses ne devient plus une ambition. Parce qu'il est dans ce monde, le bonheur, il est dans le contentement et la satisfaction. C'est-à-dire que l'individu, la personne, par rapport au monde des choses, classe les choses dans ce principe qui est risque. Et la quête du bonheur, puisque la définition essentielle du bonheur, elle est dans l'au-delà, et c'est un but ultime pour chacun, donc le croyant va aller dans sa quête dans l'au-delà. Et c'est ça ce qui est enseigné par le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de rattacher le cœur à l'au-delà.
quand toute action est menée, elle est menée dans l'objectif de gagner ce bonheur qui peut ne pas venir dans cette vie. Donc la motivation première, c'est de gagner ce bonheur qui est naturellement situé dans l'au-delà. Donc, si il arrive que la personne manque à des facettes, des modes de ce qu'il juge comme étant un bonheur, faisant partie du bonheur, il a déjà intégré dans son rapport à ces choses-là que le bonheur va au-delà de ces choses-là. Et c'est une force de résistance que l'islam a produit dans ses fidèles et disciples. C'est pour cela que lorsqu'on étudie les biographies des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les hommes et femmes qui les ont suivis, on remarque ce détachement avec force des choses de ce bas monde. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé, non, ce n'est pas un choix de vie, mais c'est une vision de la possible privation dans ce bas monde. C'est-à-dire une attitude à avoir lorsque on est privé de tel ou tel élément qui peuvent faire le bonheur, mais qui ne sont pas le bonheur. C'est très important de voir cette nuance. C'est-à-dire que la définition du bonheur n'est pas liée à ces indicateurs, aux éléments qu'on juge être des éléments du bonheur. Ce n'est pas parce que tu as une vaste maison, que tu as un époux, une épouse, que tu as des enfants, que tu as suffisamment d'argent, que tu as que tu es heureux. Mais lorsque tu trouves le sens du bonheur, comme je viens de le présenter, c'est-à-dire dans l'au-delà, c'est-à-dire ce rapport à notre Seigneur, Créateur, c'est là où tu trouveras le bonheur. Et là, on peut dire que la personne qui trouve Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qui développe une relation constante de servir Allah subhanahu wa ta'ala, d'aller vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne a touché le bonheur dans sa définition. La révélation du Coran, le verset a été cité de Surah Taha, Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana li tashqa. Nous n'avons pas révélé le Coran, on n'a pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux, que tu te fatigues, que tu te peines, que tu... cette notion de shakawa qui veut dire tout le contraire de sa'ada. Et dans les versets de Surah Hud, il dit dans le sort des ladhina shaqu, ceux qui périront en enfer, il dit lahum fiha zafirun wa shahir. Ils auront dans l'enfer
Zafirun wa shahir, c'est-à-dire un cri aigu de douleur et de souffrance et de tristesse. Hein? Zafir, ça veut dire c'est le cri qui porte la tristesse, et le shahir, c'est le cri qui porte la souffrance. Et cela donne aussi le sens de Shaqawa, que Shaqawa ou Shaqi, c'est celui qui souffre, hein, c'est celui qui est triste, hein, et c'est pour cela que Shaitan, parmi ses actions pour affaiblir l'être humain, c'est de le rendre triste. Shaitan liyahzun alladhina amanu. Et parmi il est cité ainsi dans le Coran al-Karim que parmi les actions que Shaitan mène à l'encontre de son ennemi, l'être humain, c'est de le rendre fréquemment, toujours triste. Pourquoi ? Parce que la tristesse est un instrument qu'utilise Shaitan pour faire baisser les bras à l'être humain. C'est-à-dire le rendre incapable, lui faire perdre l'ambition. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous promet le paradis, il nous promet l'éternité, il nous promet la richesse auprès de lui, il nous promet tout cela. Et c'est-à-dire il crée en nous l'espoir. Et cet espoir, il ne s'arrête pas dans cette première vie. C'est que la vie dans notre vision, elle est en deux phases. Il y a la première, l'hayat dunya, l'hayat al-oula. Dans le Coran, elle est présentée comme étant la vie la plus proche, et c'est là le sens de dunya. Souvent on traduit la vie d'ici-bas, hein? Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est la plus proche. Le mot dunya, c'est un adjectif féminin de ce qui est proche. Et ce qui est proche peut être aussi bas. Mais ce n'est pas toujours, ce n'est pas systématique. Mais elle est proche. C'est-à-dire, et c'est pour cela qu'elle est qualifiée aussi dans d'autres versets de oula, c'est-à-dire première. Ce qui sous-entend qu'il y a autre chose, hein, mais l'autre chose, ce n'est pas la seconde. Ce n'est pas la deuxième. Il n'est jamais question de thaniya, hein, la vie deuxième. Il n'y a pas. Il y a la vie akhira, c'est-à-dire finale. C'est-à-dire la deuxième phase, ce sera la phase finale. C'est un enseignement à prendre en compte dans la planification de l'existence. C'est-à-dire, quand tu veux t'investir, tu ne peux pas t'investir que sur la première vie. Mais tu t'investis dans le long terme. Le long terme, c'est ce début qui va dans l'éternité. Et je me rappelle, un de nos professeurs nous disait dans un cours de Tawhid, et il nous disait dans les maths, dans quand on divise n'importe quel chiffre sur l'infini, cela donne le résultat zéro. C'est-à-dire, tu donnes, c'est pas 100 000, 1 million sur l'infini, cela égale à zéro. C'est-à-dire, la logique, hein, doit,
qui doit primer, c'est que l'éternité, cette vie sans fin, est plus importante et même élimine d'une certaine façon la vie d'ici-bas, même si elle dure 100 000 ans. C'est un rapport mathématique, c'est un rapport assez clair. Tout être humain qui croit bien sûr à la vie dans l'au-delà et qu'elle est éternelle, il ne peut que choisir que son bonheur soit dans l'au-delà. Et que la patience par la satisfaction, c'est ça qui le rend résistant à l'oubli, à l'écartement de la voie du bonheur telle qu'il est défini par le Coran. Donc si on perd dans cette première vie la satisfaction, le contentement, on risque de perdre le bonheur dans sa définition coranique. C'est pour cela que parmi le programme éducatif qu'on a tiré des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'éduquer ses compagnons au contentement et à la satisfaction. Dans toutes ces applications, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit du pouvoir, responsabilité politique ou autre, c'est la satisfaction, c'est le contentement qui va gérer leur rapport. Et dès qu'on tombe dans l'insatisfaction, la non-satisfaction, on risque de perdre le bonheur. C'est pareil dans les choses de des restes d'application. Chaque fois qu'on perd cette satisfaction dans cette vie, on risque de perdre parallèlement le bonheur dans l'au-delà. Donc il y a un rapport important à concevoir, c'est ce rapport de contentement et de satisfaction dans cette vie et le bonheur dans l'au-delà. Et que l'un se nourrit de l'autre. Chaque fois qu'on augmente de notre satisfaction, on augmente de notre bonheur. Et chaque fois qu'on diminue de cette satisfaction, on diminue aussi de notre bonheur. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été décrits par le Coran par cette satisfaction. Radiallahu anhum wa radu anhum. Et c'est un rapport, c'est-à-dire eux, ils étaient satisfaits de lui, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lui était satisfait d'eux. Et quand Allah est satisfait de toi, donc il t'offre ce qui est ton bonheur. Et Allah a fait que la rétribution de ces expressions du bonheur sont dans l'au-delà. Ils ne sont pas dans cette vie. C'est-à-dire, si tu cherches ce bonheur dans cette vie, comme on vient de le définir, tu ne le retrouveras pas. Car tout ce qui est dans cette vie, il a un terme. Tous les jouissances, plaisirs, tout est atteint d'un virus qui s'appelle la fin ou le terminus ou l'arrêt. Par contre, la notion du bonheur porte en elle le non-arrêt. C'est-à-dire ce que tu recevras, tu le recevras de façon continue. La constance est un élément déterminant du bonheur. C'est pour cela qu'on a dit, le Coran parle de Shaqi et parle de Saïd dans ce schème qui est nominal, qui n'est pas un verbe, c'est-à-dire il n'est pas lié au temps.
lorsqu'on parle de shaqi, on n'a pas la notion, le facteur temps dans notre esprit. C'est quelque chose qui va au-delà du temps. Et quand est-ce qu'on va aller au-delà du temps? C'est lorsqu'on quitte ce monde. Tant qu'on est dans ce monde, il y a le temps. Il y a le lieu. On est limité. Et donc, ça ne peut pas être un bonheur réel. Dans ça, Dieu veut qu'on comprenne que le bonheur, c'est quelque chose qui ne se perd plus. Lorsqu'on est sa'id, on l'est pour tous les temps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fin. Et c'est le choix après qui doit être fait et suivi dans ses engagements, dans ses conséquences, c'est que nous devons aller vers une planification de notre existence selon ces deux phases. Nous sommes, mais nous ne sommes pas que ici ou là-bas. Nous sommes dans cette vie vers là-bas, hein, vers l'autre. C'est-à-dire, on n'a pas choisi d'être, mais on est, nous sommes. Puisque nous sommes, alors quelle est notre planification? Le Coran nous donne le moyen de planifier. Le moyen de planifier, le guide de la planification, c'est le Coran. C'est pour cela qu'il dit pas, il s'adresse à son préféré, il lui dit, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. C'est-à-dire, le Coran, il est là pour te donner le moyen d'acquérir le bonheur. C'est pour cela, dans l'autre verset, dans la même sourate, il dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Celui qui s'éloigne, s'égare, s'écarte de mon rappel, le rappel ici c'est le Coran, c'est la révélation, ce qui fait que tu te souviens de moi, c'est ça, le Coran, lorsque tu lis, tu sais, tu te rappelles, tu te souviens du Créateur. Donc, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, c'est-à-dire, il m'a oublié, et c'est pour cela que j'ai évoqué l'oubli. Hein? L'oubli, Shaitan essaie toujours de nous faire tomber dans l'oubli. On n'est pas présent, la conscience n'opère plus. Alors, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَ. Il aura une vie, elle est serrée, étroite, difficile et dure. Donc c'est le mot banque, c'est renvoie à tout ce qui est en vérité malheureux. Et c'est tout à fait le contraire de l'hayat tayyiba. Et là, vous voyez, là, subhanahu wa ta'ala, dans la rigueur du Coran, il n'utilise pas hayat en danka. Parce que le mot hayat, c'est la vie. Ici, ma'isha, en vérité, c'est comme s'il te dit, il n'y a pas de vie. C'est une ma'isha, ce n'est pas une vie. C'est comme beaucoup de gens, d'ailleurs, ils ne vivent pas, mais ils respirent, c'est tout. Ils existent. Et là, il nous parle de ma'ishat en banka. Il ne dit pas hayat en banka. Parce que personne ne souhaite et ne veut et vivre cette existence banka. Donc, il l'a subi. Il existe de cette façon. Pourquoi? Parce qu'il a arada. Il s'est éloigné. Il s'est détourné. Hein, de ce rappel, de ce souvenir qui est qu'il y a une autre vie qui porte le sens du bonheur. Si vous le cherchez, vous devez vous investir sur cette
dimension qui va au-delà de cette première vie. J'ai essayé de donner un résumé de cette notion telle qu'elle est présentée par quelques auteurs musulmans. Bon, il y a certaines nuances, certaines choix dans les définitions et tout ça. J'ai pas voulu être technique ni académique, mais j'ai donné une synthèse de plusieurs lectures dans ce thème, inchallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éclaire. Barakallahu.